recevez mes salutations. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Vous avez encore devant vous votre serviteur de tous les jours, le sacrificateur Zacharie. Dans ce nouveau tuto, nous allons partager avec vous un parfait de chance de clientèle grâce à Florida Water. Eau de faveur. Favor Water. Donc, c'est ça. Vous allez devoir prêter oreille jusqu'à la fin. Soyez attentifs. Qu'à la fin, vous apprenez encore quelque chose. Mais j'aimerais, avant d'y arriver, j'aimerais partager aussi quelque chose de très important avec mes internautes, mes abonnés, ceux qui me suivent tout le temps. Mes chers abonnés, vous savez quoi? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes tous d'accord. Tout à fait d'accord. Oui. Mais nous risquons d'égarer les gens en avançant certaines hypothèses. On ne pourra jamais comparer un livre sacré à un livre d'histoire. Oui, jamais. Nous ne pourrons jamais comparer la Bible à un livre d'histoire. Nous ne pourrons jamais comparer le Coran à un livre d'histoire. Nous ne pourrons jamais comparer la Bhagavad Gita, le livre sacré du mouvement Hare Krishna, à un livre d'histoire. Non. Parce que la récitation de certains versets de ces livres donne des effets extraordinaires. Contrairement au livre d'histoire. Donc, si aujourd'hui, nous nous permettons de comparer ces deux choses, un livre d'histoire, parce qu'un livre, il y a peut-être une histoire qui est mal faite, qui est mal retracée. Donc, nous allons essayer de la comparer à la Bible, au Coran, au livre sacré. Nous amenons les gens à la perdition, mes professeurs. Excusez-moi. Hein? C'est-à-dire que nous essayons d'égarer les gens. Aujourd'hui, si on essaie de réciter, par exemple, on dit à une femme enceinte de copier le psaume 1 sur un pur parchemin et puis l'accrocher au cou pour se protéger et protéger son fœtus. On dit de copier le psaume 72 sur quelque chose. On dit de copier Al-Fatiha sur en bas du psaume 23 pour recéter un rituel. On voit ça, non? Donc, en aucun cas, nous ne pourrons jamais comparer. C'est quoi? C'est impossible, quoi. Si aujourd'hui, par la récitation, par la pratique de certains psaumes, on pourrait être invisible. Dans certaines religions même, on fait la consultation grâce à la Bible. On met la clé dans une Bible et puis on fait des prières. La partie que la clé a ouverte, c'est ces versets-là qui sont. C'est là-bas, on va vous lire pour vous éclaircir un problème. C'est-à-dire, pour vous donner la cause d'un problème, c'est leur consultation. Alors qu'un livre d'histoire n'a pas cette capacité, cette potentialité. Aujourd'hui, on lit des versets sur des vers. On fait des pratiques quoi. Quand on lit certains versets, par exemple, sur un vers, monsieur, on vous met ça sur votre passage. Vous allez vous paralyser. Donc, en aucun cas, on ne pourra jamais comparer un livre sacré à un livre d'histoire. Non. Mes chers professeurs, faisons attention, sinon nous risquons d'égarer les gens. C'est que, Et les livres d'histoire, il y a un verre quoi. Dès que les livres d'histoire, il y a un verre quoi. Dès que les livres d'histoire, il y a un verre quoi.
Egbe di la no de gbe ola puso me di la no te. Nya, vous savez quoi? Na to blona bere. Omu na klobu me. Be ya pati la klobu mo a klo wala nyo. Notre problème c'est tout juste parce que nous sommes ancrés dans une religion. Mais on voudrait expliquer l'autre religion. Nous ne sommes pas spirituels, mais nous sommes ancrés dans une religion. On voudrait expliquer l'autre religion. Et nous avons tant de problèmes. Je ne pourrais jamais parler comme un imam. Non, peut-être je pourrais piquer certains exemples dans la religion musulmane, puis appuyer mes propos. Mais en aucun cas, je ne pourrais jamais, je dirais, devancer un imam. Faisons attention à ce que nous enseignons les gens sur les réseaux sociaux. Vous allez me chercher le parfum Florida Water. Eau de faveur. Fever Water. Vous allez chercher un caméléon. Vous allez chercher les différentes sortes de fleurs. Si le papillon trouve du nectar dans des fleurs et il s'y pose, nous aussi, les rois, les gens, viennent poser sur nous, nous apportent leur trésor, leur bien, c'est ça. Donc, vous allez chercher différentes sortes de fleurs, un caméléon mort, il n'y a pas de mort, sec. Vous allez chercher petit cola, et cola à quatre fentes et un piment de Guinée. C'est ce que nous appelons Ata Evio, et moi maintenant. Donc, vous allez réduire les trois ingrédients. Vous allez les réduire et vous les mettez dans un parfum Florida Water. Eau de faveur. Vous gardez pendant après 72 heures et vous commencez l'utilisation. C'est pour attirer les clients. C'est pour attirer la chance. Si vraiment Dieu a créé cet animal que nous appelons caméléon, qu'on appelle le lion qui rampe, il change de couleur, que notre histoire change. Demeurez bénis. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes ensemble.